Donc aujourd'hui, nous allons ouvrir un deck. Youhou! Tout le monde est content, ouais, on va ouvrir un deck Pokémon. Bon, ça m'a l'air un peu près, mais je peux pas dézoomer. Malheureusement. Donc voilà, nous avons deux boosters Origines Antiques, c'est mes deux derniers. Faudra que j'en rachète. Parce que j'ai envie de compléter cette série qui est trop trop belle. Je sais pas ce que vous en pensez. En tout cas, elle est super belle. D'ailleurs, je sais pas si vous êtes au courant, XY8 s'appellera Impulsion Turbo en français. Et amènera des cartes qu'on appelle des cartes break, un truc du genre. Bref, c'est des cartes comme ça. Voilà, super belle. Donc on va commencer par ouvrir ce deck. Alors, moi j'étais un peu, comment dire, sceptique parce que regardez, on voit pas du tout qu'elle brille. Hein. Alors ça se voit très très légèrement. Je vais essayer de vous le montrer à l'ouverture. C'est peut-être un peu fort, non? Enfin, vous me le dites pas parce que je sais pas. Voilà. Ça devrait un peu le faire. Donc, nous allons l'ouvrir, c'est parti. Donc logiquement, il y a une astuce pour l'ouvrir. Voilà, il faut déchirer là, il me semble. C'est un peu triste, mais bon. Il faut déchirer. Hop. Voilà, ensuite vous l'ouvrez. Et vous avez la carte holographique. Est-ce que je peux vous montrer l'holographisme ou pas? On dirait pas, hein, qu'elle est... Mais je vous jure, en fait, je l'ai remarqué il n'y a pas longtemps. Si tu veux bien faire le petit focus. Voilà. Est-ce que vous le verrez? Ah, ça se voit pas trop. Bref, allez, on l'ouvre. Les musiques sont de Glitch X City. Vous les retrouvez sur YouTube. Nous voici. Enfin, nous voici. Voici le beau. Le beau jeton. Méga Rayquaza. Donc super, ça fait plaisir. Nous avons ici la carte. Ah ouais, ça se voit un peu. S'il veut bien faire le focus. Le focus. Est-ce que vous voyez que ça brille là? On le voit un tout petit peu ici. Bref, bon, c'est une arnaque. Hein. Qu'on se le dit, c'est une arnaque. Je l'ai déjà cette carte. En Paolo, évidemment, parce qu'elle n'existe pas en holographique. Oh, il y a un code online dedans, je savais même pas. Faut m'envoyer un message privé pour avoir un code online. Nous avons le deck avec les cartes. Oh, c'est sympa. Un beau Métalos. C'est le normal. Hop, on va ouvrir ça. Donc les cartes ne sont pas dans un film plastique, elles sont rangées directement comme ça. Ok, on les ouvrira après. Ici on a un petit topo voilà, sur... qu'est-ce que c'est Origines Antiques? Venez découvrir, acheter, donnez-moi de l'argent. Non mais voilà, ils expliquent un petit peu les cartes, comment on joue. Enfin c'est une petite publicité avec le listing. Tous les Pokémon de... Ça c'est pratique, ça franchement c'est pratique pour moi. Ça m'aide. Les jetons de dégâts, donc pour ceux qui jouent au TCG. Le plateau, ici même. Bon, voilà, je vais pas le déplier. Et c'est tout. Alors, les cartes, au niveau des cartes, qu'est-ce que nous avons là? Des cartes énergie. La lettre du professeur. Evoli, il est trop beau. Où est-ce qu'il peut se trouver? Vous pensez quoi? Vous pensez qu'il est où, là? Pas trop d'idées. Peut-être au parc safari. Je ne sais pas. Léviator, donc ça c'est le pêcheur. Visiblement, ça serait peut-être. Moi je dirais au village Mekara. Je crois qu'il y en a un qui dit ouais, on peut trouver des Léviators, il me semble. Sinon, je me trompe. Voilà. Métang, je ne l'avais pas. C'est bien ça. Miaousse. Registeel. Oh, c'est cool. Énergie eau. Terral, encore une fois. Regice. Oh yes. Énergie acier, Tierno, dans XY, tiens, il est là. Timmy, c'est que des cartes... Ah non, regardez, c'est une ancienne série. Je sais pas trop quelle extension c'est, si vous savez, je sais pas. On a Timmy ici. Aquali, waouh, il est beau. Il est beau. Dame du centre Pokémon, Miaousse, foulard apaisant. Évolue une nouvelle fois, reliquante. Donc lui il est sous l'eau évidemment. Mais c'est pas la même. Ça c'est quoi comme extension? C'est. Non, c'est Origines Antiques. Hop. Ah, c'est Origines Antiques. En fait il mélange dans les decks plusieurs extensions. Je trouve ça un peu bête, mais bon, qu'est-ce que vous voulez. Le Métalos, donc cette fois-ci pas en holographique. Persian. Qui lui a l'air de se trouver. Ah, je dirais. En haut de Lavandia.
c'est mon idée. Top dresseur, donc c'est à la fin. Hop, échange. Casque chance. On ressemble un peu au casque brut. Yaouz comme d'hab, bon là ça ne change pas. Quoi lire, élégante, niveau bol. Magikarp, Persian, Tierno, Yaouz comme sortie. Et Métang, voilà pour le deck. Hop, on va ranger les cartes dans la boîte. Hop là. Voilà. Allez, je les remets vite fait dedans. Métalos, je vais quand même la garder, même si on voit pas trop qu'elle est holographique. Je sais pas franchement pourquoi. Mais bon, c'est comme ça. Hop, on va refermer. On va remettre ça dedans. Ah, j'ai oublié le jeton. Hop. Voilà. Donc on met ça dedans. Et on va s'ouvrir deux boosters d'origines antiques. Attendez, ah celle-là c'est ma préférée. C'est parti, on va commencer par Primogroudon. Pas un deck de ouf. Bah après les decks c'est fait pour jouer, c'est pas fait pour avoir des cartes super. Voilà quoi. Porqueno. Hop, sans dire. Et c'est parti. Est-ce qu'on va avoir de la chance? Souhaitez-le moi s'il vous plaît. Et on commence avec un Zarbi. Alors Zarbi. Il n'y a pas de lettre. Ah, vous pensez qu'il y a écrit quoi? Attendez, A-N-D-A. Je sais pas ce que c'est, N encore on dirait. And. And A. Je sais pas. Je sais pas vraiment où... Ah, ils sont peut-être au bon Memoria. Magikarp qu'on a vu tout à l'heure. Marest, qu'on avait déjà vu la dernière fois, qui s'amuse visiblement comment ça s'appelle, Vermilava. Mimigal, on a déjà vu celle-là, Axoloto également. Lysandre, ah, on retrouve le chef de la team Flair. Ça faisait longtemps. Aquali, qu'on a eu dans le deck juste précédemment. Ortide, toujours avec sa bave, il ne change pas lui. Le rouleau à peinture en reverse, bon, pas tip-top. Et ensuite, nous avons... Oh, Porygon Z en holographique. Waouh, qu'est-ce qu'elle est belle. Alors, où se trouve ce Pokémon? Waouh. Vous avez des idées un peu? J'arrive pas trop à déterminer où c'est. Bon, en tout cas, c'est une belle pioche. Je suis très satisfait. Hop. On va ranger cette carte. Hop. Hop. Voilà. Ça fait plaisir. Ok. Et ensuite, on finit avec Mega Rayquaza. Hop. Il reste 10 minutes. J'arrive pas. Allez. Oh là. Et on a Persian qui est une carte commune. Alors ça je savais pas. Ok. Tarsal. Allez, fais le focus, punaise. Gringolem. Sepiatros. Tentacule déchet et contrôle en mêlant. Eh, le son est pas un peu trop fort, je sais pas, vous dites rien, mais... Balbuto. Allez. Franchement, caméra vraiment la noix. Oh. Recycleur d'énergie. Bon, attendez, j'en ai marre. Voilà. Hop. Voilà, Farfa du V. Misty Maniac. Tiens, je ne l'avais pas celle-là. En peu commune. Non,
lequel elle est au Mont Memoria. Misty Maniac en reverse. Et derrière, nous avons Regice, qu'on a déjà eu tout à l'heure. Voilà. Bon, c'est tout pour aujourd'hui. Je pense qu'on va s'arrêter là. Bon, ça, je suis pas très mécontent de la pioche, parce que j'ai une holographique. Porygon Z est vraiment belle. Voilà. Porygon Z. Metalos holographique, même si... on a du mal à voir qu'elle est holographique, mais bon, c'est quand même une holo. Bon, bah écoutez, je vais vous laisser pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir suivi ce Galius de couette, au final, même si c'est Galius pas de couette, mais c'est Galius de couette. Je vous donne donc rendez-vous dimanche de 14h à 17h. On fera des matchs. On fera des matchs sur cartouche, principalement. On fera un jeu découverte. Peut-être que j'appellerai des gens, mais j'ai pas eu de réponse au niveau des canulars qui n'ont pas répondu. En tout cas, merci beaucoup d'être venu, ça m'a fait plaisir. On a bien rigolé, on a bien discuté. Et bah écoutez, je vais juste laisser les pubs pendant 5 minutes, et puis après, bah, il y aura personne, et normalement, Fildrong pourra reprendre. Attendez, à moins qu'il se soit connecté, attendez, je vais voir vite fait. Peut-être qu'on peut faire le changement. Parce que le changement, c'est maintenant. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Est-ce plus simple qu'on veut faire des montages plus simples? Je sais pas, en fait. Fildrong, es-tu là? Je vais voir. Est-ce que Fildrong est là? Fildrong. Non, il n'est pas connecté. Ok, tant pis. Donc voilà, juste après, il y a Fildrong avec une émission qui s'appelle AGXP. En tout cas, merci beaucoup d'avoir suivi. Je vous fais des gros bisous. Ciao, ciao.